Donc la dernière fois que j'ai fait une petite tour comme ça, on m'a fait remarquer que la qualité de la vidéo était pas fantastique, que ça laguait pas mal au niveau de la vidéo alors que c'était fluide normalement. Donc je vais laisser une chance en faisant un deuxième petit tour. Pour de nouveau voir si c'était bel et bien l'enregistrement, mais a priori oui, il n'y a pas de raison que ça change quoi que ce soit. Allez, je vais dire la petite aide qui sert à rien. Avec les feux ça marche mieux. Et c'est parti. Donc je vais essayer comme autrefois de faire une vidéo très courte. Juste un transport, peut-être deux à tout casser. Pas besoin de carbu, c'est bon. Ils auraient par hasard une mission suffisamment courte pour que ça corresponde à la vidéo, que je puisse faire quelque chose qui dure pas de plombe. Le Morraine, bah c'est bien ça, tiens. Ça va être beaucoup d'autoroute, mais c'est pas grave. Là, l'idée, c'est vraiment juste de m'habituer à OBS, de tester et d'apprendre OBS. On y va. Un petit peu comme j'ai fait l'autre fois avec Gladius. On m'avait dit que OBS avait l'air de marcher quand même beaucoup mieux. Du coup, je me permets. L'alignement, ça a l'air bon. Par contre, je vais abaisser la suspension arrière, histoire d'être vraiment mieux. Il est temps de prendre la route. Ok, donc je resoulève. Ça n'a pas l'air bien lourd, mais je mets quand même l'essieu supplémentaire au cas où. Effectivement, c'est pas lourd. Par rapport à ce que je mets des fois.
Alors, il va être où le péage? Il va être à droite. Ok. Assez intéressant et sans avoir de difficultés particulières. J'aime quand même bien ce jeu, même si c'est pas une vraie simulation, si c'est quand même pas suffisamment de circulation, etc. J'aime bien, c'est quand même plutôt détendant. C'est un vieux jeu, ça doit dater de 2018 ou 2017 peut-être même, je sais plus. Non, celui-ci même c'est encore plus vieux que ça, ça doit être 2012. Bon, après il a été patché moult fois, ça c'est pas la question. Mais je crois que la première version devait dater de 2012, un truc comme ça. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de circulation. En plus, là, il se trouve qu'il est 4h25 du matin sur le chronomètre interne du jeu. Donc il y a encore moins de circulation. Donc forcément, c'est pas passionnant. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, là, c'est plutôt pour moi pour apprendre à me servir d'OBS que vraiment pour faire une partie. Suite à la remarque que je ne sais plus qui m'a faite, qui est tout à fait pertinente, de tester avec OBS pour voir si il y avait moins de lag qu'avec mon enregistreur, mon ancien enregistreur en fait. Qui était là aussi un enregistreur purement software. Alors, par contre il m'emmerde avec son aquarium, lui je vais le doubler parce que. Aussi à gauche que ça en camion, c'est pas grave. Là encore, parce que le jeu ne tient pas compte de ça comme d'une infraction, alors que ça devrait.
passage, ça rend le jeu un petit peu inintéressant, mais c'est pas grave, c'est juste... à droite, donc à gauche du bâtiment dans ma position actuelle. Voilà. Attends, je suis à 10 cm de la barrière quoi. J'en avance un petit peu voiture. J'enlève le gyro, j'ai plus besoin. Ploum ploum. J'ai plus besoin de ça non plus. Relève et on finit de dételer et on s'en va. Je remets un petit serveur de bonne hauteur, c'est bon, ça passe. Hop. Alors c'est pas loin, c'est derrière. Laissez-moi un petit espace que je puisse finir de tourner. Ah putain, il ne fallait pas 20 cm de plus hein. Doucement.
Voilà, fin de la balade. Sauvegarde la partie quand même, hein, histoire de. Bon, moi je les numérote, après chacun ses habitudes. Hop. Ouais, mon petit.